tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Titanfall, et oui, donc un petit Titanfall, ça fait une éternité que je n'ai pas joué à Titanfall, pour ainsi dire. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo de gameplay, comme ça, posé, tout tranquille, t'as vu au calme. Donc sur un jeu que je n'ai pas joué depuis extrêmement longtemps, forcément, hein, parce que sinon c'est pas drôle, sinon vous ne pouvez pas vous foutre de ma gueule et de mon non-skill à l'appel. Donc on va commencer par une petite partie, je pense que je vais faire juste une partie, je vous avouerai que je suis complètement rouillé. Donc on est parti en attrition, hein. Moi en Titanfall je fais beaucoup d'attrition, c'est quasiment le seul mode que j'ai fait quand j'y jouais il y a pour ainsi dire 7 mois. Donc j'ai joué à sa sortie pendant 3-4 mois, j'ai dû jouer 3-4 mois, après j'ai arrêté quand j'étais parti en Nouvelle-Zélande. Donc là j'ai fait quelques parties depuis, c'était pas folichon parce que ben... Bah, c'était pas la folie quoi, je veux dire, je faisais pas grand chose, bon, je perdais pas forcément, mais dans l'équipe j'étais pas oufissime on va dire. Donc là je pense que ça va être à peu près pareil, hein. Je pense que ça va être, je suis toujours autant rouillé, clairement. Donc je sais pas, d'ailleurs déjà faut déjà qu'on trouve une partie, hein, parce que est-ce que des gens jouent à Titanfall, hein? En attente de joueurs, hein, allez, il nous manque 5 joueurs les amis, 5 joueurs, s'il vous plaît. Allez, 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 peut-être un joueur de plus, hein, je crois qu'on peut lancer de toute façon. Bon, en attendant, je vais regarder mes atouts vite fait. Des atouts, il y en a plein, il y a tellement de choses qui ont changé, il y a le marché noir et tout, il y a plein de nouveaux atouts, maintenant il y a les rangs et tout, etc. C'est un truc de malade, quand je suis parti, il n'y avait pas tout ça, quoi, maintenant il y a plein de trucs. Bon alors, on va jouer expansion et on va commencer dans 12 secondes. Enfin, donc on est à 3 contre 4, tout va bien, tout va bien. J'espère que ça sera une partie pas trop mal. Je vais essayer de faire mes paramètres clavier souris parce que faut que je mette... Ah, bah voilà. Toujours faire ces réglages avant que la partie commence parce qu'en fait je voulais repasser mes... comment ça s'appelle? Mais l'attaque de mêlée et l'attaque de... le lancer de grenade, si on peut dire, sur la souris, parce que je suis plus habitué. Je joue à la mitraillette car, et je pense que je vais prendre un ogre, voilà. Tiens, je vais prendre un ogre, mais je vais aller faire mes paramètres, configuration de touche, hop. Donc, mêlée, on va mettre ça sur la souris, alors comment faire, hop, ah, voilà, comme ça, et grenade armement explosif, en fait, hop, appliqué, ok. On est parti, on est go. Donc ça fait très très longtemps que j'ai pas joué, comme je vous l'ai dit, hop là c'est bon, c'est bien sur la souris. La carte, je m'en souviens plus beaucoup, on va passer toi, je t'ai vu, attention. Ah, ah, je ne sais pas viser, oh, premier kill, je pense qu'il doit être très très déçu. Oh, lui aussi, deuxième kill, oula, mais il faut que je m'arrête. Vous allez croire que j'ai du skill sur Titanfall, alors que ce n'est absolument pas le cas. Faut que j'arrête de jouer comme ça là. Déjà deux kills. Première minute, déjà deux kills, c'est plutôt oufissime. Alors hop. Ah, bon ben smart gun, hein, forcément, hein, forcément les mecs qui jouent au smart gun, l'arme complètement cheatée, hein, mais on va pas commencer à rager, hein, le smart gun est une arme comme une autre, on va dire. L'avantage sur Titanfall d'ailleurs, c'est que les armes sont particulièrement équilibrées, même si le smart gun reste un petit peu plus une arme. Toi je t'ai vu, ah, je pense qu'il était pas très content que je tue son pote. C'était plutôt pas mal fait, mais je me suis pris un retour de bastos plutôt conséquent dans la mouille. Toi aussi, je t'ai vu. Donc on va te tuer plutôt comme ça. J'ai eu très peur. Toi, non, ne me retue pas. Non, pardon. Oh là, mais que de chance dans cette partie. J'appelle directement mon titan. Pourquoi? Bah parce qu'on est on est chaud du titan. Hop, il y avait un mec au-dessus, je sais absolument pas s'il est toujours là. Alors, non, tu n'as plus l'air d'être là, toi. Donc, par contre, j'ai l'impression qu'il nous dépasse. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas si on est toujours... Alors, toi, tu es mort. Meurs. Oh, oui. C'est la victoire. Ah oui, par contre, je me fais tirer dessus par je ne sais pas trop qui. On va fuir. Toi, je t'ai vu. Ah, c'est très très dur de tirer avec un semi-automatique sur des pilotes. Tiens, toi par contre, tu ne vivras pas plus longtemps que ça. C'était particulièrement violent, oui.
Ah oui, oui, oui. Donc, bon, je balade, hein. Je suis en titan, tout va bien, j'ai récupéré mon bouclier. Tiens, toi, abat-toi, tiens. Coucou. Coucou. Alors, que va-t-on faire? J'ai mon bouclier qui est OP. Donc on va essayer de faire un petit truc, de rendre ça utile. Comment on l'active déjà? Je sais plus, je crois que c'est V. Je suis pas sûr. Ah, je vous dis, c'est impossible. Ok, titan. Ok, comment on active le bouclier? Bouclier. Bouclier, non, c'est pas la monnaie. V. Ah voilà, c'était V. Putain, je l'avais dit. Putain, il a posé son bouclier, lui aussi. Oh, ok, d'accord. Ok, je me suis fait défoncer, je m'en vais. D'accord. Laissez-moi tranquille. Ah, le mec, il avait quand même une arme amplifiée. Bon, j'ai pris un atout. Pensez utiliser ses atouts, toujours pensez utiliser ses atouts. Oh, le premier, c'est magnifique. Toujours pensez utiliser ses atouts. Tous sont des trucs très très utiles. On va essayer de ne pas se faire défoncer alors qu'on a un atout. C'est le genre le truc qui m'arrive tout le temps, ça. Toi, tu prends le moment où tu décides de prendre ton atout, tu te fais buter en une seconde et demie. T'as même pas le temps de voir le jour que t'es déjà mort. C'est le genre le truc qui m'arrive les trois quarts des fois. Je sais pas pourquoi. C'est le fait atout égale mort imminente. Ok, donc bon bah je cours, je sais pas trop où aller, je sais pas trop ce que je fais. On va dire que voilà, hein, on tire dans le jambonneau, c'était des spectres. Lui j'ai pas trop envie de me le faire, je crois qu'ils ont. Ah, ils ont 3 titans quand même. On va essayer de jump sur lui. Ok, on a jump sur lui. On va faire un petit rodéo. Allez. Hop là, toi tu es mort. Oula, bonjour. Ah mais je suis allé très très haut. Ah, il faut même que je retourne en combat. Je vais essayer de tirer un peu d'ici au passage. En descendant. Ouf. Hop, toi aussi je te rodéote. Et je n'ai pas eu le temps. Smart gun forcément. Très efficace quand t'as un mec qui fait du rodéo. Ok, notre titan est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le largue indirectement. On va essayer de revenir dans la bataille comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va être très très cher. 85 à 150. Mon dieu, quoi. Mon dieu. Putain, mais arrêtez de poser vos boucliers là, les gars. Stop, quoi. Stop. Stop le posage de boucliers, quoi. Forcément, je ne l'avais absolument pas vu venir. Le mec, je ne sais pas si c'était moi qui visais, mais en tout cas, il m'a bien défoncé la gueule. Comme je vous disais, voilà, une partie qui commençait plutôt bien, mais au final, qui se transforme un petit peu, voilà. Vous voyez la rouille ancestrale, la rouille de l'infini. Tiens, toi, je t'ai vu. Est-ce que je vais réussir à t'avoir? Non, je ne t'aurais pas, je t'ai touché, mais je ne t'aurais pas, tu étais invisible. Évaluation augmentée. Alors, il est toujours dessus. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Oula, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde ici. Oula, c'est la fuite. Alors, que fait-on? Où peut-on aller? Beaucoup trop de monde. Je fais n'importe quoi, je voulais lancer une charge. C'était un échec cuisant. Ah ouais, le mec il m'a défoncé au fusil à charge. Le mec sans respect, quoi. Le respect on l'oublie, hein. Bon, autant vous dire que je ne fais plus grand chose là. Tac. On va même pas l'avoir. Putain, c'est pathétique. C'est pathétique. Là, il y a un mec. Je ne l'ai pas eu. Est-ce que je vais l'avoir? Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, victoire. Et lui, est-ce que je l'aurai? Oui, je l'ai eu aussi. Double kill. Hop, on va embarquer dans mon titan que j'ai fait tomber tout à l'heure. Enfin, que je viens de faire tomber d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds autant de vie? Pourquoi? Ah! Ah ouais, mais en fait, voilà, moi je me fais défoncer par un titan. Et je ne le vois absolument pas, tout va bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 130, 218, 4 titans de leur côté. Autant vous dire que pour l'instant on est mal barré, hein, c'est plutôt mal embouché. On est plutôt dans la mouise, dans une mouise extrême. Je viens de lancer une charge absolument pour rien, c'était absolument un petit rodéo. Que fais-tu? Tu sors, je sors aussi, je balance une charge, ça ne marche pas, je veux te tuer et ça ne marche pas. Le sidewinger qui n'est pas l'arme au corps à corps de prédilection, effectivement. C'était plutôt tendu, mais j'étais plutôt très optimiste de vouloir le tuer au sidewinger.
Parce que ça a quand même été prouvé que ce n'était pas la meilleure arme dans un combat rapproché. J'aurais dû mettre un coup de pied. Putain, lui m'a vu. Fuite. Lui aussi m'a vu. Fuite. Vais-je m'en sortir? Je vais rentrer dans cette... Non, ok. Je ne rentrerai pas par cette petite porte. Ok. On a survécu. Est-ce qu'on va casser la gueule de ce titan? Non. Plus de munitions. Le titan qui est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah on casse tout ça. Tac. On taille dans le jambonneau encore une fois. On taille dans les spectres. Hein. Notre titan qui est prêt. Il faut que je le largue. Ah ouais, on se fait vraiment défoncer. 146, 277. Bonjour la piquette, bonjour. Bonjour, est-ce que je ne t'aurai pas? Lui c'est un mec qui joue par gueule. Fuite. Ah, fuite, survécu. Survie. Je fais ma pute. Yeah, tu crois? Yeah. Eh oui, j'ai fait ma pute. Eh oui, je t'ai eu. Ok. Ok, il va falloir que... Putain, mais là c'est perdu, 290, les mecs ils tuent deux gars et c'est bon. Je dire, même si tu veux 1000 spectres, c'est bon. Il va falloir que je largue mon titan à un moment ou à un autre. Ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à survivre pendant l'épilogue. Toi, je t'ai vu, est-ce que je vais t'avoir? Tu me charges? Non, ah, tu es juste là. Bon bah, je t'ai comme ça, hein. Au revoir, adieu. Adieu, mon titan qui est prêt, défaite. Défaite. Bon, on va essayer de... Toi, est-ce que je t'ai? Oui! Ah oui! Non, titan, tombe! Protège-moi, titan! Bouclier! Non, mais c'est pas possible! Non, mais le smart gun, tout de suite! Oh là là! Et du coup, je peux pas revivre juste avant la défaite. Mon titan va faire 2-3 kills sans moi, hein, tranquillement. Bon! Alors au niveau des scores, autant dire qu'on... au niveau des scores, on n'est pas dégueu au final. 78, on est deuxième de la map, avec un ratio de 12-8. 2 frags de titan et 20 frags de troupes, on n'est pas dégueu. Bon, je vous avouerai que le premier, là, Crazy Leg, il envoie vraiment du pâté quand même. 48 frags de troupes, 17 frags, il fait clairement très très mal. Voilà, c'était une petite partie tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, partager si vous avez partagé, si vous avez envie de partager. Vous abonner pour plus de contenu, pour plus de gameplay, pour plus de reviews, etc. Et en tout cas, moi sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir, et je vous laisse sur ce magnifique tableau des scores. Et oui, c'est la folie.